Ah oui. Bah, aimer, c'est apprendre à aimer. C'est-à-dire que les spiritualités et l'islam en particulier venant clore le cycle de la prophétie des traditions monothéistes, mais on l'a dans ce texte-là, ce qui nous est dit, contrairement à ce qu'on pense quand on est des hommes instinctifs ou quand on vit à la surface de notre corporalité ou de notre physique, l'amour, c'est pas un donné. L'amour, c'est un acquis. C'est-à-dire que la première appréhension, la première expression du cœur, il ne faut pas la nier, elle existe. Je veux dire, que ce soit physiquement, que ce soit bien sûr. Mais ce n'est pas ça la finalité de l'amour. Ça, c'est sa première expression. Ensuite, ce qui nous est dit, Dieu, ce qui nous dit, il dit, je vous ai donné quelque chose, comme je vous ai donné la vie. Après, on peut rester comme ceci toute sa vie à penser qu'on est en vie, puis de se suffire de cela. Et puis il dit, bah, c'est la vie. Ça va pour la nature, ça va pour les arbres, ça va pour le soleil. Mais pour l'être humain, il faut embellir la vie. C'est pour ça qu'on est muslihoun, c'est-à-dire on a un travail de réforme en permanence. Ben, c'est la même chose avec l'amour. L'amour nous est donné, mais ensuite avec Dieu, il faut s'engager à le nourrir. Et comment est-ce qu'on le nourrit? Non pas simplement en regardant les belles choses que l'on accepte, mais de composer avec les moins belles choses que l'on respecte. Parce qu'il l'a voulu ainsi. La division des hommes, la différence des couleurs, la différence des cultures. Je veux dire, mais nous, c'est une évidence, je veux dire, même dans notre communauté. Je veux dire que pour que dans notre communauté, notre foi soit plus forte que notre nationalisme, c'est que nous puissions dire à quelqu'un, je t'aime en Dieu, au-delà de la différence culturelle ou de la différence nationale. Cet amour-là, il demande un effort, en fait. Parce qu'en fait, au fond, on est des vrais racistes. On est des vrais racistes. Les Arabes, au départ, c'est des racistes. Les Blancs, les Noirs, on est naturellement, on aime les nôtres. La foi, c'est apprendre à aimer les nôtres et les autres. Et à aimer l'humain. Et ça s'apprend. Donc l'idée qu'on parle de l'amour et puis on va aimer Dieu comme ceci, non. Il y a un apprentissage, regarder le monde, connaître le monde et accepter tel qu'il est. Un apprentissage de l'amour. Donc, tout ce que j'ai dit là, ce n'est pas l'amour, c'est l'école de l'amour. C'est comment on va transformer son regard pour apprendre. Parce que l'éducation, c'est ça. L'éducation, c'est part de ce que tu es et de ce que tu as et transforme ton regard sur ce que tu as de façon à ce que ça transforme qui tu es. C'est ça l'amour aussi. C'est ça l'éducation. Et c'est ça l'amour. Donc en fait, nous, on a l'amour exigeant, en fait, comme la fraternité. Je veux dire, nous, on a une façon totalement dévoyée de parler de la fraternité. T'es mon frère, t'es ma soeur, mais tu parles. Tu parles.